Bienvenue à Impact Centre Chrétien, dis-moi Amen. Bienvenue dans ce lieu d'apparence ordinaire, mais bienvenue dans le palais de gloire. Bienvenue dans quoi? Le palais de gloire. Ta vie là, elle va se conjuguer en gloire. Elle va s'écrire en gloire. Et dis-moi Amen et je continue. Voilà, nous rendons grâce au Père. Nous sommes vraiment reconnaissants pour cette semaine de jeûne et de prière qui nous a fait la grâce d'avoir dans sa présence. La présence de Dieu était magnifique, elle était forte, elle était intense. Comme toujours, ceux qui devaient être là étaient là et ils ont reçu énormément. Et ça ne s'est pas terminé le vendredi matin, le vendredi soir. C'était un moment de plénitude, c'était un moment glorieux, merveilleux dans la présence du Seigneur. Un moment de rééquipement, de rafraîchissement, de restauration pour plusieurs. Si tu étais là le vendredi, si tu étais là dans la semaine, dis Amen pour toi-même. Voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pendant que nous étions en semaine de jeûne et prière, je vous le dis simplement, le pasteur Nissé vous l'a dit, lui aussi des fois il parle trop. Je n'ai pas dit de dire ça. Il dit le pasteur est en retraite. Oui, le Seigneur m'avait dit de me retirer pendant quelques jours afin de me parler, il voulait me parler. Et vous savez ce qui est merveilleux, c'est quand tu te retires comme ça à part, Dieu te parle. Et des fois quand Dieu te parle, tu dis waouh. Et mon ami, je suis venu partager ce que Dieu a dit. Il faut faire très attention. Et les moments où Jésus parlait, et puis il dit, en vérité, je vous le dis. Prête l'attention. Parce que ce qu'il va dire là, c'est lui qui a créé. Dieu dit que c'est par lui que tout a été créé. Donc celui qui vous parle là, quand il vous dit, en vérité, je vous le dis. Quelque chose qu'il va dire, prends ces paroles, note-les, garde-les dans ton cœur. Parce qu'elles vont transformer ta vie, elles vont transformer ton destin et même le destin de tes enfants. Une seule parole de Dieu change. Une seule parole. Dieu a dit à Abraham, je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Que toi je te bénirai jusqu'à aujourd'hui. Les descendants d'Abraham ne font qu'expérimenter cette parole de Dieu. Une seule parole a bouleversé le destin de toute une. La parole de Dieu change ton destin. Est-ce qu'il y a des descendants spirituels d'Abraham ici? Alors cette parole était pour toi. Il a dit je jure, je te bénirai. Quand Dieu a dit je jure, c'est fini. Satan dit non, non. Dieu a déjà juré. Quand Dieu a parlé, c'est fini. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Voilà la première parole que le Seigneur m'a donnée. Dans Ésaïe 50, on ne pourra pas tout dire naturellement aujourd'hui, mais on va dimanche après dimanche, Dieu va nous faire la grâce de parler. Nous avons, il m'a donné, le Seigneur parle, dans Ésaïe 42, verset 9. Voilà, famille, impact centre chrétien. Impact centre chrétien, ce n'est pas les murs. C'est une communauté d'individus. C'est une famille spirituelle. C'est comme toi. Toi, ce n'est pas la tête. Non, toi, ce n'est pas le bras. Toi, ce n'est pas le quand on t'appelle, toi, c'est la personne en entier que tu es. Dis Amen. Donc, quand Dieu parle de l'Église, il parle de la communauté, il parle des individus, il parle des membres, du moins de ceux qui se reconnaissent comme faisant partie de ce corps. Il y en a qui sont des passagers, il y en a qui sont des visiteurs, mais il y en a qui sont des membres de l'ICC. Est-ce qu'il y a des membres de l'ICC dans cet endroit ce matin? Oui. Nous sommes une famille spirituelle, il y en a plusieurs, mais nous aussi nous sommes une famille spirituelle, quelqu'un dit Amen. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, nous ne sommes pas plus grands que les autres, plus petits que les autres, non, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Tes yeux sont ce qu'ils sont, pas, non, si tes yeux sont fiers, tu as un problème, non. Oh, moi je suis vert, mon ami, si tu es vert, tu sais, c'est une grâce que tu as reçue. Si toi, œil, tu es bleu, c'est aussi une grâce. Si tu es marron comme moi, c'est aussi une grâce. Si tu es aussi œil rouge, c'est un problème. Mais nous tous, nous sommes membres d'un corps qu'on appelle la famille de Dieu, le corps de Christ. Voilà la parole que le Seigneur donne dans Ésaïe 42. Il a dit, maintenant, je vous ai effectivement déplacé ici. Voilà, ça fait depuis 2012, ICC Brazzaville, je vous ai suscité, je vous ai établi, je vous ai appelé. Maintenant, entre 2012 et 2019, il s'est écoulé environ 7 ans. Voici les premières choses que j'avais prévu de faire pour la famille Impact Centre Chrétien. En parenthèse, ça concerne toi qui nais de nouveau hier, toi qui nais de nouveau aujourd'hui, ça concerne ceux qui viendront demain et ça concerne ceux qui étaient déjà là. Dis Amen et je continue. Les premières choses se sont accomplies. Et voici maintenant, je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles n'arrivent, je vous prédis. Que c'est vraiment un temps de changement. C'est vraiment un temps de total changement. Les premières choses sont déjà mises en place. Maintenant, Dieu annonce une nouvelle saison. Il a dit depuis plusieurs mois, il me l'a répété de manière claire, je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis.
Autrement dit, il y a des choses nouvelles qui vont être établies dans ta vie. Quelqu'un me dit un bon amen. Le 31 décembre 2018, nous étions là. Donc le 1er janvier 2019, nous étions là. Le Saint-Esprit nous a dit, il a dit 2009, ça sera l'année d'accroissement et d'expansion. Mon frère, ce n'est pas moi qui ai dit. J'étais là, je ne savais pas ce qu'il fallait dire. Je parlais avec le pasteur Anissa, avec le pasteur Abi, j'ai dit, mais le Seigneur ne m'a pas encore dit quelle est la direction prophétique. Le pasteur Anissa vous dit souvent, pour ceux qui viennent le matin en prière, que l'Église doit être conduite par la parole prophétique. Même ta vie doit être conduite par une parole prophétique. Ta vie ne peut pas être conduite comme ça. Tu te lèves le matin, tu vas au boulot. Non, ta vie doit être dirigée par une parole que tu reçois de Dieu. Quand tu quittes, tout homme a été créé pour marcher dans une direction. Personne n'a été créé pour tourner en rond. Non, nous sommes tous créés pour aller dans une direction, pour accomplir une vision, pour aller vers une destination. Tu as quitté ta maison ce matin, tu es venu ici, tu avais une destination. Dieu dit, la parole que je vous ai donnée, ce n'est pas Castanou, c'est Dieu, moi Dieu, qui ai dit que pour la famille ICC de Brazzaville, 2019 est une année d'accroissement et d'expansion par le Saint-Esprit. C'est une parole qui a été donnée par la bouche de Dieu. Ce n'est pas la mienne parce que je ne le savais pas du tout. Il me l'a donnée et j'ai entendu cette parole et j'ai dit voici la parole. Mais je ne savais pas ce que Dieu voulait dire. Des fois Dieu te parle, tu ne comprends pas tout, mais il va t'expliquer après. Dis amen et je continue. L'Église ICC ne marche pas par la volonté d'un homme. Elle marche par la parole prophétique. Au commencement était la parole. La parole a tout créé. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est cette parole qui doit guider tout homme. Il dit la parole était la vie et la vie était la lumière. La lumière s'est levée dans les ténèbres. Quoi la lumière c'est qui? C'est la parole. La parole c'est qui? C'est la lumière. Elle s'est levée pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. La parole qui a été donnée c'est une parole prophétique. C'est une parole qui est donnée par Dieu pour son peuple. C'est la direction que Dieu donne à son peuple. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. Le Saint-Esprit dit par la bouche de Pierre, et nous avons entendu cette voix qui vient du ciel, qui venait du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la montagne. Pierre entend de raconter l'histoire de la montagne de la transfiguration. Il dit que quand nous étions sur la montagne de transfiguration, nous avons entendu une voix, nous avons entendu une parole. La parole venait du ciel. On dit amen et je continue. Lorsque nous étions avec lui sur la montagne, et au verset 19, il dit, nous tenons d'autant plus certaine, d'autant plus ferme, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Vous devez prêter attention à la parole prophétique. Vous devez vous attacher à la parole prophétique. Dis amen. Il dit, Église, vous devez faire extrêmement attention à la parole. À la parole, c'est celle-là qui donne la direction à l'Église. Il dit la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Est-ce que tu prêtes attention à la parole prophétique? Il dit prêtez attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Il dit cette parole, il faut t'y attacher comme à une lampe qui brille. Le lieu est obscur. Je ne vois rien. Je ne sais rien. Mais comment va être l'année? Qu'est-ce que je vais devenir cette année? Qu'est-ce que je vais accomplir en 2019? Mais je ne sais pas comment faire. Mais c'est la crise, c'est le chômage, c'est les grèves. Il dit non, toi ton cas est différent. Attache-toi à la parole prophétique comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Là où les gens ne voient pas, non, il y a une lampe. Où est la lampe? La parole prophétique. 2019 sera pour toi une année d'accroissement et d'expansion. Ce n'est pas moi qui le dis. La qualité de ton amen détermine la grâce qui s'accomplira dans ta vie. C'est une parole prophétique. Les autres cherchent. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Ils ont chanté bonana, bonana, bonana papa. Mais c'est passé. Le lendemain, ils ne savent pas quoi faire. Toi, tu dois savoir quoi faire. Il dit attache-toi à une parole. Laquelle? La parole prophétique. C'est la parole qui dirige ta vie. Israël est sorti du désert.
Ils sont sortis de l'Égypte, du pays de la servitude, de la captivité, du monde des ténèbres. Dieu prend Israël. Il emmène Israël. Mais il sait qu'Israël doit marcher en suivant une lumière, une parole, une direction. Alors la Bible dit, le soir, l'Éternel conduisait le peuple dans une colonne de feu. Le soir, le peuple d'Israël, plus de 3 millions, peut-être même 6 millions de personnes se déplaçaient. Quand ils voyaient une colonne de feu aller à droite, eux aussi vont à droite. C'était la parole. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Tout ce qu'il te faut, c'est la lampe, la lumière. La lumière, c'est la parole. Tout ce qu'il te faut, c'est une parole qui brille quelque part. Si on te dit que le Congo est dans les ténèbres, tu dis non. Mais moi, je ne m'attache pas au Congo. Je m'attache à la parole. Reçois cette parole. Elle est pour quelqu'un ce matin. Je m'attache à une parole que Dieu a donnée. Et c'est cette parole. Que feras-tu cette année? Oh, tu as déjà parlé. La journée, il est conduisé dans une colonne de nuée. On voyait une nuée, une immense nuée qui partait de la terre jusqu'au ciel. C'était la présence de Dieu. Dieu conduisait son peuple par la nuée, par la colonne de feu. Dieu conduit toujours son peuple par sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu est la parole. Et il a dit, cette année, tout ce que je dis, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu ne parle pas comme nous. Quand Dieu lui parle, il ne va pas revenir sur ce qu'il a dit. Et entre parenthèses, quand Dieu a dit une chose, pour Dieu, la chose est établie. Voilà pourquoi il est écrit, à toujours, ô Éternel, ta parole est établie dans les cieux. Quand Dieu t'annonce quelque chose, il dit pour toi, cette année sera une année d'accroissement et d'expansion. Accroissement, c'est-à-dire augmentation. C'est-à-dire, tu vas devenir de plus en plus lourd, de plus en plus important. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Oui, parce qu'il faut que tu saches une chose. Oh, il dit au verset 21 de 2 Pierre 1, au verset 21, « Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été donnée. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été donnée. » Non, dis avec moi, non. Mais, il y a un secret derrière, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Autrement dit, Dieu parle par son esprit. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer l'Esprit de Dieu, le glorieux Saint-Esprit? Oh, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un pour apprécier l'Esprit de Dieu qui parle, qui donne une parole, qui donne une direction? Mon ami, mon frère, béni soit le merveilleux, le glorieux Saint-Esprit qui parle. Oh, si tu es reconnaissant pour le don du Saint-Esprit, donnez amen de reconnaissance. Vous savez, des fois, quand je dis donnez amen de reconnaissance pour le Saint-Esprit est Dieu. Il entend tout, il voit. Même quand tu réponds là, il sait si ton cœur est en train de vouloir l'honorer. Voilà pourquoi on dit la qualité même de ton amen. Parce que des fois, tu dis, est-ce que tu m'aimes? Oui. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Vraiment? Et puis le mot, est-ce que tu m'aimes? Oh, oui. C'est le genre de oui, de réponse que Dieu attend ce matin. Oh. Donc, si c'est à toi que je parle, donnez la main de quelqu'un qui est conscient. Oh. Ce n'est pas la parole du pasteur qui peut conduire ta vie. C'est la parole prophétique qui peut conduire ta vie. Cette parole, c'est celle que Dieu a parlé. C'est celle que Dieu a donnée. Et fais attention. Quand Dieu a donné une parole, il y a toujours, sa parole est établie. Ça veut dire que quand Dieu a dit qu'il va faire quelque chose, s'il te dit c'est année d'accroissement et d'expansion, pour lui, c'est établi. Pour toi, ce n'est pas encore établi. Mais dans les cieux, cette parole est scellée. Il a dit, quand j'ai lancé ma parole, elle ne revient pas à moi sans avoir accompli son œuvre, le but pour lequel elle a été envoyée. Donc quand Dieu dit, année 2019, année d'accroissement et d'expansion, d'ailleurs quand je dirai maintenant, ou quand on dira 2019, tu diras, pour moi, tu diras, quand je dis par exemple 2019, toi tu dis, mon année d'expansion, mon année d'accroissement et tu dis, c'est mon année. Autrement dit, c'est mon temps, c'est mon heure,
c'est pour moi. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Toutes les paroles que Dieu donne, toute parole qu'il donne à quelqu'un, aucune parole ne dure éternellement. Enfin, si, elle dure éternellement. Mais quand Dieu donne une parole pour quelqu'un, elle est toujours limitée dans un temps. Mon ami, quand Dieu a dit la Vierge enfantera, 700 ans avant, la Vierge a enfanté. Il n'avait pas dit au bout de combien de temps la Vierge allait enfanter, mais elle a toujours un temps. La parole est courte, elle a toujours un temps pour s'accomplir. Tout ce que Dieu dit, il y a toujours un temps. Il a dit l'année prochaine, je reviendrai la même année et Sarah aura un enfant. Il a dit quand? L'année prochaine, à la même période, il a donné un temps. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi Dieu parle ce matin? Mais dans ton cas à toi, 2019, il dit année d'accroissement et d'expansion. Il dit c'est 2019. C'est-à-dire que c'est dans la saison. C'est dans les 12 mois. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? C'est pour toi et c'est maintenant. Il n'a pas encore dit ce qu'il va faire en 2020. Il n'a pas dit 2018 est passé. C'est mort et c'est enterré. Oublie 2018. La parole prophétique, plus que jamais, conduira l'église Impact Centre Chrétien de Brazzaville. Plus que jamais, nous nous attacherons à la parole prophétique. C'est-à-dire ce que Dieu a dit là, c'est ça qui va nous conduire comme une boussole. Si tu comprends de quoi je parle, donne-moi un amen. 2019, année d'accroissement et d'expansion. ICC, ce n'est pas un slogan, c'est une parole prophétique. Ce n'est pas un slogan, c'est une parole prophétique. Donc quand je dis 2019, tu dis mon année d'accroissement et d'expansion. Et quand tu le dis, pourquoi tu fais le fier? Tu dis c'est la parole prophétique pour moi. C'est la parole que Dieu a donnée pour moi. Quand Dieu a dit l'année prochaine, Sarah aura un enfant. Sarah dit l'année prochaine, j'aurai un enfant. L'année prochaine, j'aurai un enfant. L'année prochaine, j'aurai un enfant. Sarah a dit j'aurai un enfant. On dit, maman, Coco Sarah, tu as 98 ans. Mais il n'y a plus d'espoir. Tu es mon opposé plus. Tout est mort chez toi. Le sein est mort. Tout est mort. Même ton mari est mort. Mais comme la parole prophétique est sortie, l'année prochaine, j'aurai un enfant. L'année prochaine, j'aurai un enfant. Sarah, maman, Coco, tu es fatigué. Elle dit, j'ai entendu Dieu. Il a dit l'année prochaine. Il a donné un temps. Toi, c'est cette année. La qualité de ton amen pour cette parole prophétique détermine l'accomplissement de cette parole prophétique. Si c'est à toi que Dieu parle, fais entendre amen de prophétique. Ah non. Qu'on ne te trompe pas. Ce n'est pas Castanou qui conduit ta vie. C'est la parole prophétique donnée par Dieu qui va diriger ta vie. Cette année 2018, beaucoup de choses vont se passer au Congo et dans le monde et dans la région. Mais toi, qui entends le son de ma voix et qui reçois cette parole, qui accepte la parole, ta vie ne sera pas conduite par les circonstances comme les autres. Ta vie sera conduite par la parole prophétique. Si c'est à toi que je pardonne, meilleur amen pour toi-même. Mais alors, puisque la parole prophétique, asseyez-vous, puisque la parole prophétique est aussi importante, il faut donc comprendre qu'est-ce qu'il essaie de me dire. Il est en train de te parler de deux choses. Accroissement. Dis avec moi accroissement. Dis avec moi expansion. Accroissement. Quand Dieu parle, il veut que tu ailles comprendre ce qu'il a dit. Pourquoi il te le dit? Quand Dieu dit je t'élève, ne dis pas seulement amen. Ça veut dire quoi? Je t'élève. Élever veut dire quoi? Il faut que tu cherches. Plus tu cherches, plus il va te révéler. C'est tout ce qu'il a envie de faire avec toi. Il a dit accroissement. Accroissement veut dire quoi? S'accroître veut dire quoi? S'accroître veut dire augmenter. Dis avec moi, augmenter. C'est-à-dire allons en augmentant. Augmenter. S'accroître veut dire s'intensifier. S'accroître veut dire s'aggraver. S'accroître veut dire s'agrandir. Accroître veut dire se multiplier. Accroître veut aussi dire devenir plus intense.
devenir plus important, plus lourd, plus consistant, plus solide. En fait, il est en train de décrire ton histoire déjà. Il est en train de décrire ton témoignage. Plus consistant. D'ailleurs, quand j'ai commencé à écouter le Seigneur, il dit, mais c'est là ton héritage. Mais l'accroissement fait partie de ton héritage. De ton héritage. C'est-à-dire de tes biens en Christ, de tes privilèges, de tes avoirs, de ce que Dieu t'a donné gracieusement en Jésus-Christ. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Donc, s'accroître veut dire augmenter, intensifier, devenir plus lourd, devenir plus fort, se multiplier, s'étendre. Cette année, ce n'est pas moi, c'est la parole prophétique qui conduit l'Église. Dieu a dit, 2019, mon année d'accroissement est... 2019, mon année d'accroissement est... 2019, mon année d'accroissement est... Il faut le dire à la face du diable. 2019, mon année d'accroissement... 2019, mon année d'accroissement... Dis-le à la face des démons. 2019, mon année d'accroissement est... Tu vas t'étendre. Hey. Expansion là veut dire se multiplier. Si tu étais ici, maintenant on va aussi te voir là-bas. Si tu étais là-bas, on va maintenant te voir là-bas aussi. Expansion veut dire tellement de choses qu'on va développer dans les prochains mois. Dis Amen. Mais il y a une chose qui est certaine. Là où on te connaissait pour être quelqu'un qui ne bouge pas souvent, quelqu'un dont la vie stagne, quelqu'un dont la vie tourne rond, oh non, 2019, c'est ton année d'expansion. Là où on ne te voyait pas, on te verra maintenant. À qui tu es en train de parler ce matin, dis Amen. Là, on avait dit, oh, ton appel, ton ministère est mort, ton entreprise est morte, ton travail est mort, ton business est mort, tes études sont mortes. On va te voir. Il se répand à gauche. Il se répand à droite. Il se répand là. Il se répand là. Il se répand là. Il se répand là. Hey, mais comment? Là, on avait dit que toi, tu nous pourrais parler. On a même dit de toi, il y a des voyages, il y a des endroits où tu nous pourrons parler. Les gens qui avaient dit, oh, elle là, elle ne pourra pas voyager. 2019, mon année d'accroissement. Tu vas t'étendre. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? La parole prophétique. Prends-la, attache-toi cette parole prophétique. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. En pleine obscurité. Les enfants de Dieu ne sont pas désemparés. Ils ont une lumière qu'on appelle la parole. Cette parole déclare que 2019, on n'est pas encore en 2020. Oublie 2018. Oublie 2016, oublie ce qui s'est passé. Ce qui est passé est passé. Ce qui est mort est mort. Regarde devant toi. 2019, dans tes affaires, dans ta santé, dans tes études, dans tes avoirs, dans ton intelligence, dans tes projets. Dieu déclare pour son peuple, c'est une année 2019, mon année d'accroissement est... Donne un bon amen à la parole prophétique. Donne un bon amen. Ces paroles vont s'accomplir pour ceux qui reçoivent la parole. C'est poussé par l'esprit. Ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a été donnée. Ce n'est pas un homme qui dit ça va se faire comme ça. Non. Mais c'est poussé par l'esprit. Voilà pourquoi il faut investir le temps pour entendre Dieu. Si on n'entend pas Dieu, je ne viendrai pas ici avec autant d'audace dire ce que Dieu ne m'a pas dit. Je ne peux pas. Voilà pourquoi j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux dire quoi? Qu'est-ce que tu veux?
Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je sais que tu es un Dieu qui travaille en fonction des saisons. Il m'a dit, ça, c'est ma parole. Les premières choses se sont accomplies. Voici, je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles n'arrivent. Écoute-moi bien, c'est à toi que Dieu est en train de parler. Nous sommes nombreux ici, mais tout le monde n'entend pas la parole de la même manière. Il y en a qui entendent avec le cœur, qui disent, cette parole-là, c'est pour moi. 2019, mon année d'accroissement et 2019 d'accroissement 2019 mon année d'accroissement. Acclame la parole prophétique pour ta vie, acclame-la, parce que quand Dieu a dit, il va le faire. Pourquoi je dis acclame la parole? Je n'ai pas dit acclame le pasteur, on acclame la parole. Mais Sarah a acclamé la parole. Elle a dit, Dieu a dit, alors Dieu a dit. Oh, à toujours, ô Éternel, ta parole est établie dans les cieux. J'entends dans mon esprit, mon fils, ma fille, 2018 est mort avec ses regrets, avec ses échecs, avec ses tourments. Mais d'ailleurs, beaucoup d'entre nous ici, 2018, tu n'avais pas eu cette parole prophétique pour te conduire. Voilà pourquoi il dit, hier est mort et enterré pour toujours. Oublie hier, aujourd'hui. Ainsi parle le Saint-Esprit. Famille de ICC Brazzaville, peuple de Dieu de ICC Brazzaville, ceux qui sont là, ceux qui viendront, ils rentreront dans la même vision prophétique, dans la même parole prophétique, sans même faire d'effort. La même grâce qui est libérée, c'est la même grâce qui va les prendre. Et quelqu'un dit amen, parce que c'est ce que Dieu fera. Donc, si quelqu'un avait l'intention de te faire mourir, déjà tu peux lui dire d'attendre d'abord 2020, parce qu'en 2019, tu as quelque chose à faire. 2019, oh, 2019, mon année. Il va y avoir des réunions au village à cause de toi. Ils vont avoir des conseils de famille à cause de toi. Hein? Comment elle a fait pour sortir? La marmite là, on ne sort pas. La calebasse là, on n'est jamais sorti. Comment elle a fait pour se marier? Comment il fait pour faire des affaires? Comment il fait? Il n'est pas là-bas. Mais il y a quelqu'un ici, on avait dit que tu ne pourrais pas t'en sortir. Pour t'en sortir, il faut que tu rentres dans les clubs secrets, dans les sociétés secrètes. Comment tu as fait? Je suis en Christ. En Christ. Il a dit, tout lieu que fout la plante de tes pieds. Mon frère, écoute-moi. Amen, écoute-moi. Le Seigneur dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont rendre prospères au niveau des affaires. Il y a beaucoup de gens que Dieu va rendre financièrement prospères. Pas pour toi, pour le royaume. Reçois ces paroles, dis amen. Et il y a des endroits où quand tu étais allé prospecter, on t'avait chassé. On ne t'a pas rappelé. On ne t'a même pas calculé. Il y a des choses que tu as voulu faire, les gens n'ont pas cru en toi. Ainsi parle le Seigneur, le Saint-Esprit. 2019, là où on ne t'avait même pas rappelé, on va te rappeler. Là où on t'avait zappé, on va te chercher. Dans le domaine des affaires, on t'avait fermé les portes, on va t'ouvrir les portes. Je ne sais pas à qui je parle, mais cette année, tu es conduit par la parole prophétique. Si tu reçois la parole, donne un amen de prophétique. Il y a quelqu'un ici, je sens dans mon esprit, tu n'avais jamais fait des affaires. Mais enfin, en décembre 2019, à cause du fait que tu crois en la parole prophétique. Oh, on va dire, mais lui là, il n'avait jamais fait des affaires. Maintenant, il a 5 commerces. Il a 7 commerces. Il a 3 commerces. Ça vient d'où? 2019, ton année d'accroissement.
Je te dis, là où on ne t'attendait pas, on te verra venir. J'ai dit que là où on ne t'attendait pas, on te verra venir. Autrement dit, ceux qui t'ont fermé les portes n'ont qu'à bien se tenir. Dis avec moi, j'arrive. Je ne t'ai pas entendu. Dis-le avec fierté. Dis-le avec fierté. Mais tu arrives où? 2019, mon année d'accroissement et d'expansion. Oh, acclame la parole prophétique pour toi. Kakato Rababa, elle va s'accomplir. Est-ce que tu es en train d'acclamer? En quelques secondes, mets-toi debout et acclame la parole prophétique comme une lumière qui brille dans un lieu obscur. Cette parole te conduira. Elle te conduira. Elle te conduira et elle ne faillira pas. Oh, quelqu'un donne un bon amen. Donc quand tu comprends la pensée, la parole de Dieu, tu comprends déjà qu'il y a plein de domaines finalement. Toi-même, tu peux même déjà commencer à compter les domaines où tu vas t'accroître. Tu t'entends. Dans la crainte de Dieu, tu vas accroître. Dans l'amour de Dieu, tu vas t'accroître. Dans la passion de Dieu, tu vas t'accroître. En autorité, tu vas t'accroître. En sagesse, en richesse, en force, en influence, en pureté, tu vas t'accroître. En consécration. Le péché qui te faisait pécher là est terminé pour toi cette année. En 2019, on n'entendra pas, ah oui, masturbation, mari de nuit, femme de nuit, impudicité. Cette année, c'est l'année pour toi de l'accroissement en sainteté, en pureté, en consécration. Est-ce que c'est à toi que tu es en train de parler? Fais entendre un meilleur amen. C'est cette année. Le Seigneur l'avait déjà dit cette année. Quand il parle d'accroissement, ta foi, il dit votre foi fait de grands progrès. Votre foi est renommée dans le monde entier. En fait, il parlait de ta foi à toi. Il parlait de ta foi à toi. Ta foi va devenir tellement plus grande que le monde des ténèbres va savoir que toi, tu as changé. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin? 2019, mon année. Il faut le dire avec fierté. 2019, mon année d'accroissement. Nous avons tous ici des domaines de nos vies où nous voulons faire des progrès. Où nous voulons que ça change. Ça se verra dans ta vie. Ça se verra dans ta vie. Ne me dis pas, oh mais ça fait seulement 2 semaines que je suis dans le Seigneur. Ça ne veut rien dire. Non, ça ne veut rien dire. La femme samaritaine, ça faisait même pas 30 minutes qu'elle était en Christ. Elle a gagné toute une ville pour Jésus. Elle a transformé une ville. Il y a des gens ici parmi nous. Ton quartier va entendre parler de toi. Il y a des gens parmi nous ici là. Les gens viennent dans ta maison pour dire on veut aller dans ton église. On avait mal jugé. On avait mal jugé. On veut aller là-bas. On veut aller là-bas. Si c'est à toi que je parle, donne un meilleur amen. Il y a quelqu'un ici dans ton quartier. Dieu fait de toi une lumière. Ils vont venir, ils marcheront à ta lumière. Dans un lieu obscur, ils vont dire, il y a l'obscurité, mais l'homme là, la femme là, l'enfant là, il est la lumière. Oh, si c'est à toi que Dieu est en train de parler, réagis avec un amen. Oh. 2019, mon année d'accroissement et d'expansion. Tu t'agrandiras, tu te multiplieras. Ah oui, oui. Tu vois, parmi nous ici, il y a des gens qui avaient quand même commencé, juste pour te montrer la pensée de Dieu. Tu avais commencé à construire ta maison, tu as laissé la maison, il n'y avait pas d'argent. 2019, tu finiras ta maison.
Et un autre ici, tu n'as même pas encore un terrain. Pour toi, un terrain, c'est inimaginable. 2019, c'est ton année d'accroissement et d'expansion. Il y a quelqu'un qui m'entend ce matin. Pour toi, avoir Lupangu, une parcelle à construire, ça paraît juste impensable. Le Dieu, devant qui rien n'est impossible, il a donné une parole prophétique. Ce n'est pas ton problème de savoir comment ça se fera. Mais ce que Dieu a dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et dans ton cas, elle va s'accomplir. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin? Je n'ai même pas encore commencé le message. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin? Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Cette parole prophétique, vous faites bien de vous attacher. ICC, ce n'est pas seulement ceux qui sont là, c'est aussi ceux qui nous suivent sur Internet. Cette même grâce d'être dirigé par la parole prophétique vous est accordée à nous, à vous qui êtes connectés avec nous, et à la télé, et à la radio, et sur Internet, à ceux qui sont au loin. Cette même parole prophétique, elle vous trouvera et elle s'accomplira. D'être un beau amen pour nos frères et pour nos sœurs ce matin. Il y a plein de domaines dans lesquels en décembre, dans 12 mois, quand on va regarder ta vie, on va dire, mon ami, vraiment, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni un être humain pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. La parole est sortie. Si tu la reçois, donne un amen. Maintenant, asseyez-vous, s'il vous plaît. Maintenant, il y a une chose très importante qu'il faut savoir. Quand Dieu donne une parole, il donne une direction. Pour lui, la parole est établie dans les cieux. Maintenant, elle doit s'établir sur la terre dans ta vie. Elle doit s'établir dans ta famille. Donc même ta famille doit sentir que la parole est en train de toucher. En fait, la parole prophétique qui vient, cette parole, elle est pour toi. Mais elle est pour tout ce que tu as. Elle est pour tout ce à quoi tu touches. Est-ce que tu comprends ce que Dieu dit ce matin? Donc, quand Dieu est en train de parler, quand Dieu parle à Abraham, il ne parle pas qu'à Abraham. Il parle à Abraham et à la descendance d'Abraham. Donc, il est en train de parler à toi et à moi aussi. Il dit amen. Toute parole prophétique que Dieu a dit, pour lui, c'est fait. Maintenant, il va dérouler le tapis pour que toi, tu expérimentes la parole. Mais toute parole de Dieu, elle doit s'accomplir, mais ne s'accomplit pas automatiquement. Non. Dans la parole prophétique, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Dieu parle, il veille sur sa parole. L'homme doit réagir à la parole que Dieu a donnée. Si tu me suis dit amen, je continue. Dis avec moi, il y a des conditions. Dis avec moi, il y a des conditions. Toujours des conditions. Non. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, il y a toujours ainsi. Voilà ce que Dieu fera, mais tu as ta part à faire. Il y a des gens à qui Dieu a parlé, ils ont méprisé la parole de Dieu. Il y a des gens à qui Dieu a parlé, ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas été attentifs. Ils viennent à l'église, mais ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas à cœur de comprendre. Mais il y en a ici qui ont à cœur de comprendre. Il y a des conditions. Dis avec moi, il y a des conditions. Première condition, quand Dieu parle, il faut recevoir la parole. C'est-à-dire qu'il faut accepter la parole. Sarah, l'année prochaine, à la même période, tu auras un fils. Sarah, elle a accepté la parole. Il y en a qui disent, tu refuses la parole, elle ne s'accomplira pas. Il a dit à Zacharie, ta femme sera enceinte. Zacharie a dit comment? Moi, le vieux là, il dit, bon, comme Dieu a déjà parlé, je vais faire. Mais toi, tu seras muet, parce que tu as douté de la parole. Non, toi, tu ne douteras pas de la parole. Dans Jean 1, verset 12, il est écrit, mais à tout ce qu'il en, il faut d'abord recevoir la parole. Là, il parle de la parole. De dire au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et puis verset 12, il dit, à tous ceux qui ont reçu la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit la parole prophétique? Première étape, il faut recevoir, c'est-à-dire accepter la parole. Il faut accepter la parole. Donc, parce que quand tu acceptes la parole, tu viens de te connecter à la parole. Deux, il faut croire en la parole. Il faut donc mettre ta confiance, pas dans le pasteur, dans la parole prophétique.
comme une lampe qui brille dans un lieu obscur à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom. Un, il faut recevoir, il faut accepter, il faut accepter la parole. Deux, il faut croire en la parole. Il faut mettre la foi en la parole. Cette parole-là, je ne sais pas pour mon voisin de gauche, de droite, de devant ou de derrière, mais je sais que je sais, qu'importe comment je ne sais pas, cette parole-là, ma foi est ancrée. J'accroche, c'est la parole prophétique. Deux, il faut croire. Trois, il faut obéir. Quelqu'un dit Amen. Toute parole que tu ne reçois pas, tu ne peux pas croire. Toute parole que tu ne crois pas, tu ne pourras pas obéir. Toute parole à laquelle tu n'as pas obéi ne pourra pas se manifester. Il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole, elle a donné le pouvoir, la capacité, l'autorité de devenir enfant de Dieu. C'est quand tu as reçu, tu as cru, que maintenant tu reçois la capacité de croire, la capacité de vivre la parole qui est sortie. Il y a quelqu'un ici, que Dieu te donne ce matin la capacité, le pouvoir de devenir quelqu'un dont on dira que quand je vois ta vie, je ne vois que de l'accroissement, de l'augmentation et de l'expansion. Même là où on ne t'attendait pas, même là où on ne pouvait pas imaginer que ça, ça pouvait sortir de toi, ça sortira de toi. Oh, donc toi aussi, maintenant, tu fais des livres. Quand les gens lisent des livres, ils sont touchés, ça sortira de toi. Toi, tu fais des entreprises. Quand les gens achètent tes produits, ils sont contents. Ils ont acheté tes produits. Même si tu vends du pain, ton pain ne sera pas comme le pain des autres. Ton pain sera un pain béni. Le pain béni, ce n'est pas à l'église. Le pain béni, c'est dans ta maison. Et quand ça sortira de toi, quel que soit ce que tu vendras, les gens vont se presser pour venir acheter, acheter. À qui Dieu est en train de parler? Donnez Amen pour toi-même. Il y a beaucoup de conditions. Mon but ce matin, ce n'est pas de parler des conditions. On aura le temps de parler des conditions un matin en prière. On parlera des conditions ou dans la semaine, le culte du vendredi soir, selon que l'Esprit nous conduira. Dis Amen et je continue. Il y a une chose qui est certaine aussi, c'est que quand la parole prophétique est sortie, mon ami, là maintenant on peut prier. Quand il n'y a pas de parole, on va prier sur la base de quoi? Mais quand la parole est sortie, sache une chose, pour chaque parole que Dieu dit à ton sujet, l'enfer, le monde des ténèbres va libérer toute une armée pour faire en sorte que cette parole pour toi qui entends le son de ma voix ne s'accomplisse jamais. Et c'est là qu'ils vont trouver devant eux quelqu'un qui a engagé la force de la prière. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Ah oui, toutes les paroles elles vont s'accomplir, mais il faut engager la force. Et une des forces à engager en dehors de la foi, c'est la force de la prière. Cette année, Dieu va faire de plusieurs d'entre nous ici-là des hommes et des femmes lourdes spirituellement. Tu as quel âge? J'ai 17 ans. Ah, mais petit, 17 ans. Mais quand je te vois là, je... Ah, petit, mais tu, je pensais que tu étais pasteur. Non, je ne suis pas pasteur. Je suis seulement un simple frère en Christ, mais rempli du Saint-Esprit, rempli de feu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les jeunes de ICC, je vous dis, et même les seniors de... Il y a des gens ici, vous êtes des seniors. On a dit, oh, après 65 ans, 70 ans, les seniors ne peuvent rien faire. Les seniors de Impact Centre Chrétien seront cette année comme des flammes de feu. On va vous voir aller partout. Là, on a dit que les seniors, il n'y a plus rien à faire, si ce n'est que la mort. Même la mort ne voudra pas de vous, les seniors de ICC. À cause de la parole prophétique, vous allez vous intensifier spirituellement. Vous allez être lourd et être des porteurs de vie dans un monde en détresse et en perdition. Le royaume de Dieu cette année compte sur toi. Est-ce que je peux entendre ton meilleur Amen? Toute parole prophétique exige donc une réponse, un comportement, une attitude prophétique, des paroles. Si c'était vrai hier, c'est encore vrai davantage maintenant. Autrement dit,
C'est un nouveau chapitre, c'est une nouvelle histoire qui est en train de commencer pour beaucoup d'entre nous. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. J'ai entendu clairement l'Esprit me le dire. C'est un nouveau chapitre. Voilà pourquoi je n'arrête pas de te dire, oublie 2016, 2015, 2017. Oublie. Parce que reconnais toi-même que tu n'étais pas dirigé par une parole. Tu n'avais pas une lumière qui brillait dans un lieu obscur à laquelle tu pouvais t'attacher. Mais 2019 ne sera pas comme 2018. Non, ce n'est pas une fausse espérance. Je ne te vends pas un rêve. Je te parle de la parole prophétique. C'est poussé par l'Esprit. Israël a marché étant conduit par une colonne. Sans une direction précise, tu ne marcheras pas. Et lorsque cette année, le diable va libérer ses forces pour te faire dévier de la destination, de la vision que Dieu a donnée, tu diras, c'est pas possible. Ça, ce n'est pas la direction. Ma direction, c'est mon année d'accroissement et d'expansion par le Saint. Par le Saint. Il ne faut surtout pas oublier le par le Saint. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura rien. Si quelqu'un me suit, dit Amen et je continue. Est-ce que je peux continuer encore un peu? Je voudrais maintenant commencer. L'Esprit m'a dit d'insister sur la parole prophétique. Elle te conduira cette année. Tu ne marcheras pas comme les autres. Tu ne te chercheras pas comme les gens se cherchent. Parce que tu sais que 2019, mon année, c'est ton année ou c'est l'année de quelqu'un? C'est ton année. Que ton voisin le dise, que ta sœur le dise, mais que ta bouche à toi-même proclame ce qui est pour toi. 2019. Mon année d'accroissement et une dernière fois, 2019. Parle, parle, parle. J'ai dit parle. Acclame l'Esprit de Dieu qui a donné sa parole pour conduire ta vie. Ta vie sera conduite par cette parole. Tout ce qui viendra, qui ne sera pas conforme à cette parole, sera détruit dans ta vie cette année. Tout ce qui viendra contre toi pour s'opposer à cette parole prophétique sera détruit par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit. Est-ce que tu entends ce que Dieu dit? Dis Amen. Tout ce que Dieu dit sera combattu. Quelqu'un s'opposera à cette parole. Et quand il s'opposera, tu te contre-opposeras à lui. Tu diras, la parole est sortie et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dis-moi Amen. Alors je voudrais développer, commencer à développer, je continuerai si Dieu le veut la semaine prochaine ou quelqu'un continuera. Il y a une chose et la famille CC, Dieu veut nous préparer. Dis avec moi, Dieu veut nous préparer. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels cette année, c'est l'année de l'accroissement et de l'expansion. Mais le premier domaine, vous voyez, j'avais prévu un message et l'Esprit de Dieu m'a dit non, après, parle d'abord de ça. Donc je suis un serviteur, je vais dire de ce que le Seigneur a dit. C'est vraiment la parole prophétique. Je prie, j'ai prié pour que cette parole, tu l'entendes, que tu la retiennes. Que le diable qui vient enlever la parole soit lié au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui vient te voler cette parole soit lié au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui vient pour enlever cette parole et pour te détourner soit lié au nom de Jésus-Christ. Cette année, il a dit, une des choses dans lesquelles Dieu veut faire croître, t'augmenter, te rendre plus fort, plus important, cette année, c'est dans la présence de Dieu. Dis avec moi la présence de Dieu. Dis avec moi la gloire de Dieu. ICC, je nous préviens, la gloire de Dieu va s'accroître au milieu de nous. La gloire de Dieu va s'intensifier au milieu de nous.
la gloire de Dieu va devenir plus puissante, plus pesante, plus forte au milieu de nous. Je vous le dis parce que c'est ce que Dieu a dit de dire. Elle va s'intensifier lourdement au milieu de nous. Et là, c'est là que j'ai commencé à comprendre. J'ai entendu le Seigneur me parler. J'ai dit, oh, donc quand on dit que le palais de gloire, là, parce que beaucoup disent palais de gloire, non, tu n'es pas encore conscient. Que quand c'est lui qui a donné le nom palais de gloire, il avait déjà quelque chose qu'il avait décidé de faire. Maintenant, il a commencé à dérouler le tapis, il va accomplir ce qu'il a dit. Cette année, 2019, là, il va, dans ta vie, dans l'église, intensifier la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est, quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la présence manifeste de Dieu. On parle de la manifestation palpable, tangible de la présence de Dieu. Dieu est là, mais Dieu ne se manifeste pas tous les jours. Il ne montre pas toujours qu'il est là. Mais cette année, il va intensifier sa présence. Les gens viendront ici, ils vont dire, Dieu est ici. Ils viendront, ils diront, ah, ici là, on nous avait dit que c'était le truc de, finalement c'est faux. Ils vont dire que Dieu est là. Quand ils vont te voir, toi, dans ton quartier, parce que pour qu'ils viennent te voir chez toi, il faut bien qu'ils reconnaissent que quelque chose, tu transportes quelque chose. Tu as changé. Tu n'es plus la même personne. Même quand tu parles, tes paroles sont différentes. C'est ce qu'on dira de plusieurs d'entre nous ici. Mais quelle est la différence? Dieu va intensifier, augmenter sa présence. Il est déjà en toi si tu es né de nouveau. Mais il ne manifeste pas sa présence comme il va le faire cette année. Est-ce que quelqu'un donne un amen à la parole de Dieu? Le prophète Ésaïe était un prophète de Dieu. Il vivait dans une époque où il voyait tellement d'injustices, tellement de choses difficiles, tellement de choses écœurantes. Il voyait les veuves, les orphelins opprimés. Il voyait les choses mauvaises se faire. Oh, et puis il voyait les ennemis. Les ennemis, tu sais, des gens qui sont des... Ils se moquent de Dieu. Ils disent, oh, encore une prophétie. Là-bas, Dieu a parlé. Quand Dieu a parlé, ça va s'accomplir, on sera déjà mort. Et ça, il dit, non, éternel, nos ennemis se moquent de nous. Ils sont en train de parler comme si Dieu n'existait pas. Mon frère, ma soeur, je te dis ce matin que ceux qui se sont moqués de ton Dieu se sont moqués trop tôt. Ils vont se rendre compte que ton Dieu là est réellement vivant. Quand je te dis qu'on va te donner des conseils de famille à ton sujet, c'est parce qu'ils vont demander, mais quelle est cette puissance, cette force qui le protège et qui le propulse et qui le rend fort et qui arrive à le déployer? C'est la glorieuse présence de Dieu. Ils vont le voir. Mon frère, reçois ces paroles comme un enfant. Reçois ces paroles comme un enfant. Il envoie sa parole et il veille. Tout ce qu'il te demande, c'est de croire. Reçois-la et crois cette parole. Si c'est à toi que je parle, donne un amen. Ésaïe était tellement dégoûté de voir les injustices, la méchanceté, comment les méchants prospèrent. Ils font le mal, en plus ils sont orgueilleux. Et puis Ésaïe dit à Dieu, dans Ésaïe 64 plutôt, et puis il dit à Dieu, il dit, oh Dieu, vraiment j'en ai marre, on en a marre Seigneur. Toi tu es dans le ciel, nous sommes sur la terre. Il dit, oh Dieu, si tu fondais, si tu déchirais les cieux, oh Dieu, déchire le ciel et descends. Descends, oh Dieu, que l'on te voit à l'œuvre. Il dit, si tu pouvais descendre comme un feu, comme le feu qui brûle les broussailles, comme le feu qui fait bouillonner l'eau. Oh Dieu, il faut que tes ennemis connaissent ton nom. Autrement dit, il faut qu'ils sachent que mon Dieu est un Dieu vivant. Il faut qu'ils sachent que mon Dieu est réel. Il faut qu'ils sachent que mon Jésus, dis avec moi, mon Jésus. Oh, je ne t'ai pas entendu dire mon Jésus. Quand ils forment des complots contre toi, il faut qu'ils sachent que ton Rédempteur est vraiment vivant. Que ton Jésus, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la religion. Ton Jésus est parfaitement réel. Il dit, oh Dieu, il faut que tes ennemis là, il faut faire connaître ton nom à tes ennemis. Il faut que les gens tremblent devant toi.
ils vont trembler au travers de toi. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Donc il dit, Seigneur, tu es le Dieu des cieux. Maintenant, déchire les cieux et descends. Foba munayo. Foba talange. Foba zabange. Il faut qu'il voie cette année 2019 à cause de l'intensification de la gloire de Dieu dans son église et donc dans ta vie, ils vont le voir. Quand Esaïe a dit, Seigneur, déchire le ciel, descends, Dieu a répondu à Esaïe. À la prière d'Esaïe, Dieu a répondu par une parole prophétique. Parce que quand tu pries, Dieu entend et Dieu répond. Et parmi les réponses que Dieu donne à Esaïe, qui est en train de soupirer, il dit, il faut que ça change. J'en ai marre que je suis chrétien, je suis né de nouveau, je suis né de Dieu, mais ça ne se voit pas encore. Oui, ça va se voir. Mais il faut que tu sois préparé, que tu écoutes ce que Dieu a à dire. Parce qu'avant de se manifester, Dieu prévient toujours. Oh, quelqu'un dit amen. Quand le roi doit rentrer dans ta maison, on doit te dire que voici le roi. Ce n'est pas te trouver dans des conditions bizarres. Non, tu dois être prêt à l'accueillir. Est-ce que je peux continuer? Dieu a répondu à la prière d'Esaïe. Il dit, il faut que tes ennemis connaissent ton nom. Il faut que les gens tremblent devant toi. Il faut que les méchants soient secoués. Il faut que la justice soit établie. Il faut que le travail, il faut que j'ai du travail. En fait, tu poses des problèmes à Dieu. La réponse de Dieu aux problèmes des hommes, c'est toujours Dieu lui-même. Toutes les fois que les hommes crient à Dieu, intervient. La meilleure réponse que Dieu puisse donner, c'est lui-même. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Dis avec moi, c'est Dieu lui-même qui est ma réponse. Toi, tu cries à Dieu. La réponse de Dieu, la meilleure réponse, c'est Dieu lui-même. Alors Dieu dit à Esaïe, Esaïe, j'ai entendu ta prière. Je vais déchirer le ciel. Le temps va venir où je vais déchirer le ciel avec fracas. Le temps va venir où tous les moqueurs arrêteront de se moquer. Tous les méchants vont commencer à trembler. Tous les arrogants vont commencer à dire, pardonnez-nous, on ne faisait pas exprès. Le temps va venir où je vais établir ma justice sur la terre, mon règne sur la terre. Dieu parle à Esaïe, il dit, Esaïe, je te donne la réponse. Mais ma réponse, là, je l'ai mis dans la bouche de Joël. Qui est Joël? Il viendra après toi. Joël, un jour, se lève. Dieu lui dit, Joël, parle. Réponds maintenant à la prière d'Esaïe. Joël dit, ainsi parle l'Éternel. Après que le sang de Jésus, le sang du Rédempteur, ait été abondamment versé. Après que le sang du Rédempteur et gérer la question du péché. Après que Dieu le Rédempteur descende pour régler le problème du péché, après cela, je répondrai de mon esprit sur toute chair. La réponse de Dieu, c'est son esprit. Il faut que tu écoutes. Dis à ton voisin, écoute. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos jeunes gens dont vous dites qu'ils n'ont plus d'espérance, qu'ils sont perdus, ils auront des visions. Ils marcheront plus comme les autres jeunes. Ils marcheront sous la base d'une vision prophétique, d'une parole. Oh, que les jeunes me donnent un meilleur amen pour eux-mêmes ici. Est-ce qu'il y a des jeunes donnés un meilleur amen pour toi-même ici? Que les jeunes donnent un meilleur amen ici. Les jeunes de cette famille spirituelle contamineront par le feu de Dieu, par la passion de Dieu, des multitudes de jeunes dans ce pays, dans les écoles primaires, les écoles secondaires, même les écoles maternelles et les universités et les écoles supérieures. Vous allez impacter ce pays. Vous allez impacter ce pays. C'est la parole prophétique qui sort pour les jeunes de cette église et les jeunes de d'autres églises qui vont être embrasés par le même feu de Dieu. Quelqu'un me donne amen. Il dit, vos jeunes gens auront des visions.
C'est pas seulement, oh, je dormais, j'ai vu un songe. Non, c'est que je marche selon une vision que Dieu m'a donnée. On dit, ah non, non, tu sais, nous ici, on couche avec les filles. Hein? Nous ici, on boit la bière. Hein? Tu dis, les gars, je ne m'arrête pas chez vous. J'ai une vision, j'ai un appel, j'ai un destin accompli. Dieu a des choses à faire avec moi. Dieu a une histoire à écrire avec moi. Dans la Bible, là, le dernier livre, c'est Apocalypse. Mais après, il y a aussi mon nom qu'on doit rajouter. Il y a mon nom. Dans le livre des Actes des Apôtres, les Actes du Saint-Esprit, il y a aussi mon nom. Si c'est à toi que je pardonne, un meilleur amen pour toi-même. Chacun d'eux a écrit l'histoire. Ils ont écrit l'évangile de Luc, l'évangile de Matthieu. Chacun a vécu une expérience avec Dieu. Toi aussi, ton expérience avec Dieu, tu l'écriras. Il y a même des gens qui viendront dans ta vie pour écrire ton expérience avec Dieu. Ah, tu n'as pas compris de quoi je parle. Je suis en train de parler à quelques personnes seulement. Ah oui, oui, oui. Pourquoi je dis ça? Parce que tu auras une histoire à raconter. Il y a des gens ici, tu auras un témoignage tellement enviable que les gens vont te chercher pour écrire ton témoignage. Mais comment elle a fait? Dis-moi ton histoire. Comment ça a commencé avec Dieu? J'ai commencé comme un enfant désespéré, un enfant de la rue, un enfant abandonné. Mais un jour, Jésus est venu par là. Il m'a donné sa parole et il a répandu sur moi son Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, ma vie a changé. Oh, oh, mais est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un ce matin? Oh, est-ce que c'est à toi que Dieu est en train de parler ce matin? Les gens qui marchent avec une vision prophétique, avec un calendrier prophétique, avec un comportement prophétique. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Oh, Dieu a beaucoup de choses à dire. Mais il dit, Esaïe, la réponse, c'est l'effusion de l'esprit. Je vais répandre mon esprit. Autrement dit, je vais manifester ma présence comme jamais auparavant. Je vais déchirer le ciel et je vais me répandre. Mais je me répandrai sur toute chair. Pas sur les rois, pas sur les pasteurs, pas sur les prophètes, non. Je me répandrai sur toute chair, sur les adultes, sur les seniors, sur les juniors, sur les enfants, sur les bébés. Même un bébé qui vient de naître sera rempli du Saint. Même depuis le ventre de ta maman, les femmes qui enfanteront dans cette église, dès que vous allez avoir des enfants, que vos enfants soient remplis du Saint-Esprit avant même la qualité de ton amen détermine la grâce qui viendra. Il y a des enfants qui sont nés dans la Bible, on les appelle les Samson. Mon ami, lui, il n'a pas obéi à Dieu. Tes enfants seront nés par des visions prophétiques, par des paroles prophétiques, pour des destins prophétiques. Et ils auront un mandat prophétique. Ils accompliront la gloire de Dieu. Oh, cette parole-là, reçois-la. Dis amen. Amen. Les femmes veulent enfanter. Tout le monde veut avoir un enfant. Mais il y en a peu qui ont des enfants de destinée. Des enfants dans le ventre de sa mère. Tu sens que le petit là, la petite là, quand elle va sortir de là, ça ne sera pas un enfant ordinaire. Ma soeur, parfois, ce n'est pas mauvais d'attendre de se marier, d'avoir le bon conjoint et d'avoir la bonne semence. Oh, dis amen et je ferme la parenthèse. Il y a une multitude d'enfants qui vont naître de cette famille, qui vont être des enfants de gloire, de destinée. Je vous le dis parce que Dieu le dit. Est-ce que tu es cette femme qui portera ses enfants? Et même toi qui es déjà enfanté, tes enfants vont être métamorphosés en enfants de destin. C'est à toi que je parle. Donnez amen, ma soeur. Donnez amen. Donnez amen. Ça se fera. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire que leurs paroles vont être chargées de puissance. Elle dit une chose, la chose arrive. C'est ça l'esprit de prophétie. Tu dis quelque chose. Toi, une enfant de 16 ans, tantine, ainsi parle le Seigneur. Quand tu vas sortir là, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te donner ça, ça, ça. Dès que la tante sort, elle revient à la maison et dit, ma fille, toi tu es qui? Ta nièce, toi tu es qui? Je répondrai de mon esprit. Nous allons vivre une époque bizarre. On va même nous dire que eux là, ils sont étranges. Dis avec moi, j'accepte. 2019,
mon année d'accroissement et d'expansion. Et un des domaines où tu vas accroître, c'est de la gloire de Dieu. Est-ce que je peux continuer? Il dit oui, même sur mes serviteurs, les serviteurs et les servantes, c'est-à-dire les gens dont on ne fait aucun cas, les gens qu'on ne considère pas, les gens de la basse société, les gens de la classe, comme on dit, d'en bas, mon ami. Quand les gens de la classe d'en bas reçoivent les fusions du Saint-Esprit, ils ne peuvent plus rester en bas. Ils quittent le bas pour aller prendre le haut. Et ceux qui sont en haut vont quitter le haut pour descendre en bas. Cette parole s'accomplira dans ta vie. J'ai dit, cette parole s'accomplira dans ta vie. Dis-moi amen. Jésus a vécu ce dont nous parlons. Lui aussi, il attendait que le ciel soit déchiré pour commencer son ministère. Jésus, fils de l'homme, jusqu'à 30 ans, Jésus attend que le ciel se déchire. Il pense à la prophétie d'Ésaïe, il pense à la prophétie de Joël, où il dit « Je veux répandre mon esprit ». Mais Jésus est celui qui doit ouvrir les portes pour que l'esprit soit répandu. Et lui aussi, il attend son heure parce qu'il est fils de l'homme. Il est un être humain ordinaire. Et il a besoin que le ciel s'ouvre pour que le glorieux Saint-Esprit descende. Et le jour de son baptême, on l'a déjà vu, pendant qu'il était baptisé, il se mit de côté et il se met à prier. Et pendant qu'il priait, l'accomplissement de la prophétie s'est manifesté. Le ciel s'est ouvert. Et la Bible dit, le Saint-Esprit descendit sur lui. Qui descendit? Le Saint-Esprit. Qui descendit? C'est-à-dire, la gloire de Dieu est descendue, remplir Jésus de Nazareth. Et c'est là que sa vie a changé. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Il n'y a rien qui se fait sans la personnalité du glorieux Saint-Esprit. Il est l'Esprit de Dieu. Tu dois comprendre une chose, on ne le dira jamais assez. Il y a quelqu'un qui emmène la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui transporte la présence de Jésus-Christ sur la terre aujourd'hui. On l'appelle l'Esprit de Jésus. On l'appelle le glorieux Saint-Esprit. On l'appelle encore l'ange de sa présence. Quand Dieu a parlé à Abraham, d'abord même à Moïse, quand il a dit « Moïse, Moïse, enlève ton » dans Exode 3, quand il s'est révélé à Moïse, la Bible dit « l'ange de l'Éternel », c'est-à-dire l'envoyé de l'Éternel. Il y a quelqu'un qu'on appelle l'envoyé de la présence de Dieu. Ce n'est pas un ange ordinaire. Il est, quand il est là, on l'appelle l'Éternel. Oui, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire amen au Saint-Esprit? Oh, est-ce que tu peux dire amen au Saint-Esprit? La parole prophétique est donnée par la personne du Saint-Esprit. Dis-moi amen. Et quand Jésus a reçu le Saint-Esprit, il a été rempli du Saint-Esprit et les choses sérieuses ont commencé. Il a pu commencer son ministère. Commencer pendant 3 ans et demi, ce que le Père l'avait appelé à faire. UCC. Le Seigneur dit, nous avons commencé. Nous sommes dans les phases préliminaires de ce qu'on appelle un réveil spirituel puissant. Écoutez, nous sommes à l'ère, nous ne sommes plus à 2018, à 2017. Dieu nous a montré beaucoup de choses, mais maintenant il annonce de nouvelles choses. Le Saint-Esprit dit qu'il va intensifier sa gloire dans ce palais de gloire et à partir de ce palais de gloire, il va intensifier, augmenter, multiplier, rendre plus puissante sa présence. Ceux qui étaient là le vendredi matin, le vendredi soir, vous êtes partis très tard le vendredi matin, dis amen. Ce que je vous dis, ça a déjà commencé. Et le Seigneur me disait, le dimanche, il faut en parler à l'église. Parce que nous allons commencer à vivre des temps que moi-même je n'ai jamais vécu, que moi-même je ne connais pas, je ne comprends pas. Avec Dieu, on ne comprend pas. Avec Dieu, on suit seulement. S'il dit à gauche, on va à gauche. Il dit à droite, on va à droite. Dis-moi amen. Nous allons vivre et nous avons commencé. Et ça va s'intensifier, je préfère vous le dire. Parce que beaucoup d'entre nous, nous ne venons pas matin en prière, vendredi soir ou les temps de prière. Donc tout le monde n'est pas conscient de ce que Dieu est en train de faire. Il y a une poignée. Est-ce qu'il y en avait qui étaient là le vendredi matin? Dites un bon amen. Vendredi matin,
ce que vous avez commencé à voir là, c'est ça qu'on appelle le début d'un éveil, d'un réveil spirituel. On parle d'un réveil spirituel. Malheureusement, beaucoup n'ont pas compris ce qu'on appelle le réveil spirituel. Quand il dit « Je répondrai de mon esprit sur toute chair », il dit « Le besoin que vous avez aujourd'hui, c'est ma présence. Je vais déverser, je vais rendre ma présence manifeste. Je vais intensifier ma présence. » Parce que ce dont les hommes ont besoin, c'est sa présence. Quelqu'un dit « Amen ». On n'a pas besoin de la présence d'abord du pasteur. Le pasteur est là pour t'emmener à Dieu. On a besoin de sa présence. Quelqu'un dit Amen et je continue. On n'a pas bien parlé du réveil. Ce réveil, lorsque Dieu répand son esprit. Dieu avait déjà dit dans le livre de Sophonie 3, verset 20, que quand Dieu déverse son esprit, vous devez savoir une chose, toute période de vrai réveil a toujours des conséquences financières, économique, social, personnel, professionnel. Autrement dit, le réveil dont je parle n'est pas que le réveil entre guillemets de l'esprit. Il impacte tous les domaines de ta vie. Voilà pourquoi il avait dit, je vous rassemblerai. Et puis il dit dans Sophonie 3, verset 20, il dit, je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi les peuples. C'est-à-dire, quand je vais manifester ma présence au milieu de vous et en vous, les gens vont parler de vous. Les gens seront curieux. Les gens seront étonnés. Je vais tellement bouleverser votre vie, changer vos destins, changer vos sorts, changer votre histoire, votre témoignage, que les gens vont dire, waouh, waouh, waouh. Il y aura d'ailleurs deux types de personnes. Il y a des gens qui vont dire, sans on les comprend, dit Amen. Mais il y a des gens qui vont être émerveillés de voir la transformation, le fruit que ta vie va produire. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin? Ça, ce sont les conséquences lorsque Dieu répand son glorieux esprit en toi. Lorsque Dieu visite mon ami, il visite, il n'impacte pas seulement ton esprit. Il impacte ton esprit, il impacte ta santé, il impacte ta vie, il impacte tes projets, il impacte tes affaires, il impacte tes enfants. Il impacte tout ce que tu touches, tout ce qui se trouve autour de toi. Autrement dit, il impacte l'ensemble de ce qui te fait, de ce qui te caractérise. Est-ce que tu comprends ce que Dieu dit? Dis Amen et je continue. Alors le Seigneur est sur le point de manifester une grande grâce, une très grande grâce, une très puissante manifestation de sa présence dans notre famille spirituelle et au travers de notre famille spirituelle. Quelqu'un dit Amen. Mais le problème, beaucoup d'églises, de communautés ont connu ce qu'on appelle des phases puissantes de réveil. Mais beaucoup n'ont pas compris ce que Dieu voulait faire. Et beaucoup n'ont même pas compris ce qui était en train de se passer. Voilà pourquoi Dieu nous interpelle. Dieu veut que tu comprennes ce qui va se passer cette année. À partir de cette année, dans les prochaines semaines. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Mais beaucoup n'en sont pas encore conscients parce que beaucoup ne vont pas les prières, ne viennent pas aux réunions de prière du matin ou du soir ou du midi, etc. Mais des choses vont commencer à changer. Et Église ICC, nous devons être prêts. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Parce qu'il y a deux choses que Dieu fait. Premièrement, Dieu visite son peuple. Il visite son peuple. C'est ce qu'on appelle l'effusion. Il répand le Saint-Esprit. Et son esprit se répand. Le problème, c'est que, un, nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. Deux, nous ne comprenons pas le Saint-Esprit. Et trois, nous ne savons pas comment faire pour que celui qui nous a visités reste. Est-ce que tu sais que dans ta maison, ce n'est pas tous les visiteurs qui ont envie de rester? Il y a des moments où tu reçois quelqu'un, c'est un visiteur. Et Dieu aussi nous visite. Mais la question c'est, est-ce qu'il va rester? On peut inviter quelqu'un, mais pas le faire asseoir chez soi. Pas le faire asseoir au salon. Des fois, on peut rester devant la porte. Tu l'as invité, mais vous parlez devant la porte. Et dans beaucoup d'entre nous, chez beaucoup d'entre nous, Dieu est invité, mais il reste devant la porte. Il n'arrive pas à rentrer dans la maison. Il n'arrive pas à occuper les pièces. Il n'arrive pas à s'installer. Pourquoi? Parce que on ne lui a pas dressé une plateforme, un environnement où on peut accueillir, où on peut honorer sa présence.
quand tu vois les Écritures. Pourquoi Jésus allait beaucoup dans la maison de Marthe et Marie? Pourquoi d'ailleurs, quand on te regarde, il allait plus à Béthanie, chez Marthe et Marie, qu'ailleurs? Si Dieu veut, on le verra la semaine prochaine. Parce que chez Marthe et Marie, il y avait une autre atmosphère, un autre environnement. Quand Jésus venait, il restait. Il ne voulait même plus partir. Il faut qu'on apprenne à nos maisons, à transformer nos maisons en des maisons de Marthe et de Marie. Nos églises doivent devenir des églises de Marthe et de Marie. Dieu va nous expliquer ça. Dis Amen. Parce que dans beaucoup d'endroits, l'Esprit de Dieu vient. Il commence à se manifester. Le problème, famille, c'est que nous n'avons pas cherché la bonne chose. Beaucoup de gens, on cherche l'onction, la puissance. C'est une bonne chose. Quand Dieu est là, on veut que la puissance se manifeste. Les miracles, les guérisons, les prodiges. C'est vrai. Ça, ce sont les choses que Dieu fait. C'est l'onction, la puissance. Mais celui qui manifeste la puissance, c'est une personne. On ne veut pas de lui. On veut seulement la puissance. Power, guérison, guéris-moi, délivre-moi, restaure-moi. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça qu'il faut rechercher en premier. La première chose à rechercher, ce n'est pas la main. Non. Église, on recherche beaucoup la main. La main de Dieu, c'est ce que Dieu peut donner. C'est ce que Dieu peut accomplir. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Le chômage, le mariage, les enfants, le destin, les entreprises, c'est ce que Dieu peut donner. Dis Amen, c'est une bonne chose. Mais nous avons raté toutes les phases de grand réveil parce que nous n'avons pas compris que ce Dieu qui vient là, c'est une personne. On l'appelle le Saint-Esprit. C'est Jésus qui habite au milieu de nous, présent par son Esprit. Nous avons dit, donne-moi, donne-moi. Oui, il donne, parce qu'il est bon. Il donne, mais c'est une personne. On va voir que dans la maison de Marie et de Marthe, on ne disait pas seulement, donne-moi, donne-moi. On le contemplait. On l'adorait. On l'appréciait. On l'honorait. On prenait le temps de dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es digne de louange. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, je t'appartiens. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin? Qu'est-ce qui va déterminer ce que nous allons devenir? Est-ce que chez nous, Dieu va juste visiter et puis va repartir? Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où Dieu visite. Au Père, miracle, guérison, restauration. Sa main puissante se manifeste. On dit, waouh, la puissance de Dieu était là. Le problème, c'est qu'après, il se retire. C'est comme s'il n'est plus là. C'est comme si on ne l'entend plus. C'est comme si on ne le voit plus. Il est encore là, hein? Mais il a cessé de se manifester. Or, ce qu'il a dit, c'est qu'il veut intensifier la manifestation de sa présence. Dans sa présence, sa puissance se manifeste. Mais nous, Église, nous avons cherché sa puissance au lieu de chercher sa présence, sa personne. Sa personne. Sa personne. On n'épouse pas un homme parce qu'il a de l'argent. On n'épouse pas une femme parce qu'elle a de l'argent. Quand j'ai épousé Pasteur Abby, je l'ai épousé parce que je l'aimais. Je n'avais ni or ni argent. Je n'avais pas de travail. J'avais moi. Elle m'a aimé moi. Je l'ai aimé elle. La grâce est venue après. Mais la grâce n'a pas changé mon attitude. Mon cœur n'a pas changé parce que j'avais plus d'argent, moins d'argent. Son cœur n'a pas changé parce qu'elle avait plus d'argent, moins d'argent. Son cœur était déjà à moi et mon cœur était déjà à elle. On s'aimait déjà. On a appris à s'aimer dans la pauvreté. On a appris à s'aimer quand on n'avait rien. On a appris à se chérir quand on n'avait rien. Même quand on ne mangeait pas, on s'aimait quand même et on aimait Dieu. Oh, quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas une question de bénédiction. Église, ce qui fait que l'Esprit vient et il ne reste pas. Sa présence n'est pas manifeste. C'est parce que quand il vient, il sait que nous, on ne cherche que sa puissance. Seigneur, guéris-moi. Il dit, oui, je te guéris. Il dit, mais tu m'apprécies même pas. Tu ne m'honores même pas. Faisons attention à la puissance de Dieu. Elle est très bonne et c'est Dieu qui la donne. Mais avant la puissance de Dieu,
il y a quelqu'un qui emmène cette puissance. On l'appelle le Saint-Esprit. On l'appelle l'ange de l'Éternel. On l'appelle encore la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de dire? On a beaucoup confondu la puissance de Dieu. On confond beaucoup l'onction, la puissance de Dieu et la présence ou encore la gloire de Dieu. La gloire, dis avec moi la gloire. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Quand la gloire de Dieu est là, la puissance ne va pas forcément se manifester, mais en général, elle va se manifester. Mais Israël a vu la puissance de Dieu, les miracles, les signes. Mon frère, la puissance de Dieu ne change pas le cœur de quelqu'un. La puissance de Dieu peut changer ta situation, ta condition. J'étais malade, je suis guéri. J'étais aveugle, je vois. J'étais oppressé, je suis délivré. C'est la puissance de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 5 ou 6, on voit Jésus aller dans la piscine de Bethesda. Il va, il y a un homme qui est malade. Il dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour m'aider. Est-ce que tu veux être guéri? Lève-toi, prends ton lit et marche. Le gars, il lève, prend son lit. Et c'est un miracle. Et tout le monde le voit de la ville. On dit, mais monsieur, mais toi, qui t'a guéri? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que celui qui... J'ai vu quelqu'un, il m'a dit, lève-toi, marche. Mais qui, comment il s'appelle? Il dit, je ne le connais pas. Le type là, je ne le connais pas. Un gars est venu, il m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. J'ai marché. Il était guéri, hein, mais il ne connaît pas Jésus. Donc Jésus l'a guéri. Jésus peut guérir, mais tu peux ne pas le connaître. Il dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, lève-toi. Ce quelqu'un-là s'appelle Jésus, il ne savait même pas. Qui est-il? Il dit, je ne sais pas. Dieu peut faire du bien. Sa main peut agir. Sa main peut sauver. Mais le but, c'est pas que tu ne t'arrêtes pas à la main. Oh non, oh non. La tragédie dans l'église. Nous nous sommes arrêtés à la main. Bawa! Non, il n'y a pas la main, il y a d'abord le cœur. Est-ce que ICC, je vous en supplie, nous devons chercher, c'est le cœur. Oh, si Dieu te parle ce matin, dis-moi un bon amen. Parce que lui, quand il vient, la puissance de Dieu, on peut parler beaucoup de choses sur la puissance de Dieu, mais elle ne transforme pas le cœur. La Bible dit à propos de Jésus que malgré tous les miracles qu'ils avaient vus, ils ne croyaient toujours pas en lui. Ce dont le peuple, les hommes ont besoin, ce n'est pas d'abord la puissance, c'est d'abord la personne. Dis avec moi la présence. Et quand je parle de la présence, si tu es né de nouveau, elle est déjà en toi, mais elle n'est pas manifeste. Quand la présence de Dieu est là, quand la présence de Dieu devient manifeste, toutes sortes de réactions étranges peuvent se produire. Quelqu'un dit amen. Toutes sortes de réactions étranges peuvent se produire. Quand la gloire de Dieu est là, il y en a qui vont commencer à rigoler. Ils font que rire. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Chut. C'est Dieu qui vient habiter au milieu de son peuple. C'est papa, c'est Jésus, il vient, il ne fait pas que visiter. Il a ouvert la porte. Il n'a pas seulement agi, mais il s'assied aussi. Et quand il s'assied, non, écoutez-moi, quand il s'assied, il demeure. Et quand il demeure, il regarde les cœurs de chacun. Toi, tu vas commencer à pleurer. Tu pleures. Tu ne pleures pas de... C'est des pleurs. À cause de l'intensité de son amour. L'amour de Dieu dans sa présence va te faire pleurer. Pourquoi tu pleures? Je ne sais pas. Je t'aime, Seigneur. Oh, Jésus. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? La présence de Dieu, la gloire de Dieu, c'est dans la gloire que l'amour se manifeste. C'est dans la gloire que la compassion de Dieu se manifeste. C'est quand sa présence s'intensifie, que même toi qui n'arrivais pas à pardonner depuis longtemps, tu vas même te dire, mon frère, je me sens rempli d'amour, parce que l'amour de Dieu vient dans la gloire de Dieu. Parce que la compassion, la miséricorde vient lorsque Dieu est là. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Cette année, il va intensifier sa présence. Et quand sa présence va se manifester, attention. Il y a une église aux États-Unis, ils ont tellement soupiré comme nous le faisons.
pour que sa présence s'intensifie. Un dimanche matin, à peine ils ont ouvert les portes, tout le monde était par terre. Les uns pleuraient, les autres riaient, d'autres criaient, d'autres prophétisaient, d'autres étaient guéris, d'autres prosternaient, d'autres chantaient en français, en anglais, d'autres chantaient en langue. Le pasteur qui voulait venir sur la chair, il y a un tonnerre qui est tombé. Pff, la chair a été cassée en deux. Pupitre, cassée en deux. Le pasteur projeté. Et le pasteur adjoint, il dit, ah, il veut venir prendre le micro lui aussi. Projeté. Les chantres qui voulaient commencer à chanter, eux aussi. Pff, tout le monde à terre. Dieu est dans la place. Qu'est-ce qu'on fait? Si quelqu'un me suit, dit amen. Est-ce que tu comprends ce que Dieu est en train de dire? Quand la présence de Dieu se manifeste, il va manifester sa puissance. Mais c'est d'abord un père qui vient habiter au milieu de ses enfants. Et ses enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'honorent et lui répondent. Nous allons rentrer, nous sommes rentrés dans ce genre de saison. Il y a une église où quand ça a commencé, ils ont commencé le culte, premier culte le dimanche. Ils n'ont pas pu faire le deuxième culte. Ça a commencé dimanche matin. Jusqu'à lundi soir, ils étaient là, dans la présence de leur papa, dans la présence de Dieu. Certains sortaient, ils rentraient chez eux et ils revenaient. 18h, ils sont encore là. Tous les programmes étaient bouleversés. Pourquoi? La gloire de Dieu a rempli son peuple. Ce que je suis en train de te dire, donc, ICC Brazzaville, ne sois pas choqué. Si tu vois qu'un dimanche, on est là, et que le kit doit finir à midi ou à 11h30, et qu'à 15h, on n'arrive pas à partir, que ceux qui doivent partir, partent. Ceux qui vont rester, vont rester. Non, je vous annonce juste qu'il y a une nouvelle manière. Avoir quelqu'un qui te visite chez toi, oui, c'est bien. Mais avoir quelqu'un qui reste après la visite, c'est encore mieux. Dieu ne veut pas seulement visiter son peuple, il veut demeurer au milieu de son peuple. Mais le problème, c'est que pour demeurer au milieu de son peuple, qui demeure, il faut que nous sachions l'accueillir. Dis amen. Alors, l'heure est déjà avancée aujourd'hui, mais je vais vous donner un des premiers points, parce que pour que nous devons apprendre à accueillir la gloire de Dieu. Dans son palais, tout s'écrit, mais nous devons apprendre à accueillir la gloire. La gloire veut dire la glorieuse ou encore la présence manifeste. Mais pour que cette gloire-là, elle demeure et qu'elle nous accompagne partout où on est, c'est ce qui va se passer. Dis amen. Nous devons être préparés. Dis avec moi, il faut qu'on soit préparés. Sinon, il va se passer des choses et tu risques même de te moquer de ce que Dieu est en train de faire. Parce que tu ne sais pas que c'est Dieu qui est en train de faire. Et là, tu es passé à côté. Il a dit qu'il honore ceux qui l'honorent. Et ceux qui le méprisent seront méprisés. Il y a beaucoup de moments où l'Esprit de Dieu a manifesté sa gloire. Les hommes n'ont pas compris. Et ils ont commencé à critiquer, à mépriser, à banaliser. Oh, quelle faute lourde. Que ça ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Alors la première chose que nous devons faire, et je vais terminer par ce premier point, c'est que famille ICC, nous devons d'abord, avant toute chose, nous repentir. Pourquoi? Nous devons nous repentir d'avoir eu des réunions, des temps de prière, des cultes, où en fait on ne venait pas, où en fait on ne vient pas pour lui. Il y en a qui disent, pasteur, je vais venir t'écouter le dimanche. Mauvaise parole. On ne vient pas à l'église pour écouter le pasteur. On ne vient pas à l'église pour voir le pasteur. On ne vient pas à l'église pour voir les frères. On vient d'abord pour rencontrer Dieu, pour écouter Dieu. On vient d'abord pour honorer Dieu. Et toutes les fois que tu viens à l'église, que tu n'es pas, toi-même tu sais que tu n'es pas venu pour honorer Dieu. Et Dieu sait
que tu n'es pas venu pour l'honorer. Voilà pourquoi parfois les chantres doivent pousser dans le but de t'emmener. Non, on n'a pas besoin de te pousser. Toi, tu es déjà poussé toi-même parce que tu étais dans la joie lorsqu'on t'a dit allons à la maison de l'Éternel. Autrement dit, tu sais que tu es dans la joie parce que tu viens rencontrer Dieu. Tu dois te repentir parce qu'il y a beaucoup de fois où tu viens à l'église, tu ne t'attends à rien. Et comme tu ne t'attends à rien, rien aussi ne se passe. D'autres fois, tu viens à l'église, tu t'attends à voir le pasteur. Ah, moi je vais écouter le pasteur Castanou, le pasteur Anissé, le pasteur Antel. C'est une erreur. On ne vient pas écouter le pasteur, on vient écouter Dieu. On vient entendre Dieu, on vient voir Dieu et on vient honorer Dieu. On vient glorifier Dieu, on vient glorifier Jésus le Christ. On vient honorer l'Esprit. Est-ce que tu l'accordes? Dis amen. Nous devons venir à l'église le dimanche. Tu dois changer ta manière de venir, l'attitude avec laquelle tu viens. Tu dois venir comme quelqu'un qui s'attend à quelque chose. Tu ne sais pas, mais tu sais seulement que Dieu est là et il est en toi. Mais il aime la communion des frères, de ses enfants. Nous, quand nous sommes frères et sœurs, il a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Ça veut dire, je prends plaisir. J'aime être là comme même papa qui a beaucoup d'enfants avec ses enfants. Je prends plaisir. Toi, je vais te faire les couti. Toi, je vais te donner quelque chose. Mais c'est lui qui décide. Il faut te repentir parce que plusieurs fois, toi, tu sais que tu es venu à l'église dans le but d'entendre le pasteur. On ne vient pas à l'église pour entendre le pasteur. On vient entendre Dieu, on vient rencontrer Dieu, on vient chérir Dieu et on vient honorer Dieu. Et quand je viens dans cette disposition, déjà je viens à l'heure, quelqu'un me dit amen, autant que possible. Quand tu viens à l'église à 11h là, mon ami, ne t'inquiète pas, c'est ni Dieu, ni un frère, ni une sœur. Tu as méprisé Dieu dans ton cœur et tu ne te rends même pas compte que tu as méprisé Dieu. C'est du mépris. Il y en a beaucoup qui viennent en retard, ils ont de bonnes raisons. D'autres, c'est juste parce qu'ils... Je ne sais pas, mais je suis quand même venu. Hein. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui font qu'on se disqualifie par ignorance. Quelqu'un me dit « Amen » et je continue. Tu ne viens pas à l'église. Combien de personnes sont venues à l'église dans le but de chercher le pasteur? Ah, il y en a qui viennent aussi pour chercher le travail. Tous les gens qui sont venus à ICC dans le but d'avoir un travail par le pasteur ne sont pas restés. Bon, ceux qui sont restés ont trouvé Jésus. Les autres sont partis. Tu sais pourquoi? Et comme Dieu aussi n'est pas bête. Ah, ils étaient là-bas. Il y a le boulot. Donc je vais essayer de voir un directeur là-bas et je vais me faire embaucher. Tu n'as rien compris. On vient pour chercher Dieu, pour honorer Dieu, pour apprécier Dieu, pour glorifier Jésus le Christ. Est-ce que tu peux dire un bon amen à cela? Pasteur, je suis sûr, pasteur, il y en a qui me font des messages, je ne réponds pas. Hein. Tu sais que tu es toi là, tu sais que je ne réponds pas à tes messages. Pasteur, si toi tu veux, tu peux me sortir du chômage. Moi, je ne réponds même pas à ça. Je ne répondrai jamais. Il est écrit, Jérémie 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Écrit, prends la chair pour appui. Donc toi tu as dit, c'est lui mon piston, c'est par lui que je veux trouver du travail. Il dit, tu as détourné ton cœur de Dieu. Autrement dit, tu as méprisé Dieu. Parce que tu penses que Dieu n'est pas capable. Il n'y a que ce gars-là, parce qu'il a une position, il est capable. Tu ne connais pas la puissance de Dieu, tu ne connais pas la grâce de Dieu. Et tu t'es détourné de Dieu, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Si tu viens à ICC parce que là-bas, j'espère avoir du travail. Tu dois te repentir et tu m'entends. Tu dois te repentir. Tu as méprisé Dieu. C'est du mépris de Dieu. Ah oui, je te parle parce que tu m'entends. Tu dois te repentir de tout ton cœur. Une repentance sincère. Parce qu'en fait, tu es venu pas pour Dieu, mais pour l'homme. Dieu dit, tu es frappé par la malédiction alors que tu es béni. Il y a des gens qui sont bénis mais qui marchent dans la malédiction. Pourquoi? C'est comme si tu es en train de marcher, quelqu'un a fait caca. C'est pas ton caca. Excusez l'expression. Matoufinayote. Mais toi, tu as pris le caca là. C'est mis sur ta tête. Tu marches sous malédiction toi-même. Qui a pris la main? C'est toi. Tu allais prendre le caca. Je suis désolé pour l'image. Tu as mis sur ton front et tu sens mauvais. Pourquoi? Tu as mis ta confiance dans un homme.
tu dois te repentir. Si quelqu'un reçoit cette parole, dis amen. Tu dois te repentir. Tu n'es pas venu chercher Dieu et Dieu le sait. Et tu attristes son cœur. Il peut tout faire pour toi. Mais tu t'es maudit toi-même. Alors que tu es un enfant béni. Oui, on peut être béni. On peut être bien habillé. Puis pendant qu'on marche, on prend les ordures. On met sur sa tête. Mais qui t'a dit de mettre ça sur ta tête? Oh, ça traînait, je ne sais pas. Maintenant tu sens mauvais. C'est la malédiction. Ôte-la. Comment? Repends-toi. Repends-toi aujourd'hui, tu dois te repentir. Avant de partir, tu dois dire, Père, je te demande pardon. J'ai été ignorant. J'ai mis ma confiance dans un homme. Je pensais que c'est par l'homme-là, pasteur ou frère un tel, que tu peux me bénir. Seigneur, je me repens. Je reconnais que tu es Dieu. J'ai besoin de toi seul. Si quelqu'un entend, dis amen et je continue, je ferme la parenthèse. Au verset 7, il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espoir. Dans l'Éternel est l'espérance. Tu dis, moi je ne sais pas comment, mais moi je me confie en Dieu. J'espère en Dieu. Ah ouais, mais ça fait 25 ans que tu espères. Je m'en moque. Abraham a espéré 25 ans et il a vu la fidélité de Dieu parler. Et parlera. Le même Dieu qui a béni Abraham me bénira. Ah oui, mais pourquoi ça prend autant de temps? Je n'en sais rien. Mais Dieu est fidèle. Je mets ma confiance en lui. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre qui est planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Son secret de l'homme qui est béni, il dit, il est comme un arbre. Il est planté. Le secret, être planté près des eaux et dans les racines, s'étendre vers le courant. Ah, juste parce que l'arbre est planté près des eaux, il dit, il ne sent pas la chaleur. Dis amen. Quand la chaleur tape, ça ne le brûle pas. Pourquoi? Les eaux sont là pour le rafraîchir. Les eaux sont là pour le renouveler. Tu sais, des fois, il fait tellement chaud, mais lui, c'est comme s'il a froid parce qu'il est planté. Il demeure en Christ. Demeurez en moi. Je demeurerai en vous. Il demeure dans sa présence. Dis amen. Il dit, quand la chaleur tape là, lui ne sent pas. Ses feuilles sont toujours vertes. Dans l'année de la sécheresse, dans l'année de la crise, dans l'année de la galère, dans l'année où tout le monde galère, lui, il dit, il n'a pas peur. Dis amen. Et il ne cesse de porter du fruit. Oh, comment il fait? Il demeure. Il est comme un arbre près des eaux. Tout ce dont l'arbre a besoin, c'est que ses racines ne soient pas dans le désert, mais près des eaux paisibles. La présence de Dieu et tout ce dont tu as besoin, tout se trouve dans sa présence. Demeure. Tu demeures seulement là. Tu ne sens pas la sécheresse. Dans les temps de Christ, tu dis, Seigneur, je n'ai que toi. Tu me vois là, ma vie. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un qui a dépendu de quelqu'un. J'ai appris très tôt, depuis 1993, dans les temps les plus difficiles, à demeurer. J'ai appris à avoir confiance en Dieu. Beaucoup de gens ne connaissent pas mon histoire. J'ai appris à l'école de Dieu, dans la douleur. Mais j'ai appris à aimer Dieu et m'attacher à Jésus, là. J'ai appris là, à ses pieds. Je n'ai pas appris, ma vie chrétienne n'a pas commencé avec la puissance. Ma vie chrétienne a commencé avec la présence de Dieu. J'ai appris à adorer Dieu. Des heures à pleurer dans sa présence. Mais je pleure pas parce que je voulais pleurer. Parce que je l'aimais. Et parce qu'il me remplissait de son amour. Parce qu'il manifestait sa bonté. Parfois, il y a des choses qui ne changeaient pas. Mais à l'intérieur, j'étais changé. La présence de Dieu change ton cœur. La présence de Dieu te remplit de compassion. La présence de Dieu te remplit d'amour. La présence de Dieu te remplit de paix. Même quand tout va mal, toi tu es en paix. La présence de Dieu te remplit de joie alors qu'il n'y a aucune raison d'être joyeux. Mais toi tu es toujours joyeux. Pourquoi? Sa présence. C'est celle-là qui va intensifier cette année. Il va l'augmenter.
dans ta vie, tu sauras que Dieu est présent. Il ne va pas faire qu'être présent, mais il va commencer à se manifester. Mais pour ça, il faut d'abord que toi, tu acceptes de l'accueillir. Et une des premières manières de l'accueillir, c'est de mettre son attention sur lui. Ne viens plus jamais à l'église en espérant entendre le pasteur. C'est une offense à l'Esprit de Dieu. Ne viens plus jamais à l'église en disant, « Ah, qui va chanter? Qui va prêcher? Parce que moi, j'aime seulement quand un tel prêche. » C'est une offense au Saint-Esprit. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Ce n'est pas le pasteur qui parle, c'est Dieu qui parle par l'Esprit. Si tu comprends de quoi je parle, donne un amen. ICC, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Dieu dit simplement, tu dois te repentir. Parce que tu sais que dans ton cœur, tu as déjà eu ce genre de pensée. Si tu l'as déjà eu une fois, dis Seigneur, pardonne-moi. Efface mes péchés par le sang de Christ. Et fais-moi grâce. Accorde-moi la grâce d'être focalisé seulement sur toi et de te faire confiance. Parce qu'une des choses qui va déterminer l'intensité de la gloire dans ta vie, c'est ta capacité à lui faire confiance. Tu as des besoins? Regarde à Dieu. Tu as des problèmes? Regarde à Dieu. Tu as des soucis? Regarde à Dieu. Ne mets pas ton espérance dans un homme. Tu t'attires une malédiction sans faire exprès. Mets ton espérance en Dieu. Incline la tête là où tu es avec moi. Incline ta tête et pendant quelques instants, si c'est ton cas, si tu es concerné, humblement, simplement, dis-lui simplement, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que j'ai péché. Première étape, ICC Brazzaville. Repentance d'abord. Combien de fois n'es-tu pas venu à l'église où tu ne t'attendais même pas à rencontrer Dieu? Comment veux-tu venir rencontrer Dieu et en même temps dans ton cœur, tu n'attends rien de Dieu? Tu ne l'as pas rencontré. Ton cœur n'avait pas soif de lui. Tu n'avais pas faim de Dieu. Tu ne cherchais pas Dieu. Alors, mais pourquoi tu es venu aux réunions? Pourquoi tu viens au programme? Pourquoi tu viens aux ateliers? Pourquoi tu viens en formation? Le but, c'est de rencontrer Dieu. Mais toi, ton cœur ne battait même pas pour Dieu. Dieu dit, ton cœur doit battre pour moi et pour moi seul. Cherchez-moi d'abord. C'est Dieu d'abord qu'il faut chercher. C'est ta confiance que tu dois mettre dans ce Dieu-là. Hors de lui, il n'y a point de salut. Il est l'espoir des extrémités de la terre, l'espoir des nations. C'est lui qu'il faut chercher. Alors, incline ta tête, dis simplement, Père, pardonne-moi, parce que quelque part, un jour dans ma vie, j'ai eu à mettre ma confiance, non pas en toi, et dans un homme. Pardonne-moi, j'ai attiré sur moi la malédiction. Je me repens. Enlève cette malédiction par le sang de Jésus-Christ. Quand tu demandes ça, la malédiction est ôtée ce matin. Tu ne repartiras pas d'ici avec ces mêmes malédictions que tu avais attirées, avec ces puanteurs spirituelles, avec ces déshonneurs. Ce matin, tu repars frais. Tu repars fraîchement parce que ta confiance, tu la remets en Dieu. Ton attention, ta concentration, tes pensées, qu'elles soient tournées vers le Christ, tournées vers Jésus, seulement vers Jésus, pas vers un homme, mais vers Jésus. Il est la réponse de Dieu à tous les problèmes du monde. C'est Jésus qui est la réponse. Ce n'est pas un homme. Ne mets plus jamais ta confiance. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Si tu es en train de parler à Dieu, le sang de Jésus-Christ efface tes péchés, efface tes fautes et enlève ces malédictions que tu t'étais attiré toi-même parce que tu avais mis ta confiance dans un homme. Oui, tu t'es retrouvé bloqué. Toi-même, tu ne sais pas, mais parce que tu comptais sur les hommes. Qui t'a dit de compter sur les hommes? N'as-tu pas écouté ma parole? N'as-tu pas entendu ma parole? Ma parole, j'ai déjà dit que celui qui se confie en un homme, qui met son appui en un homme, est maudit. Pourquoi tu t'es confié dans l'homme? Confie-toi en moi. Confie-toi en moi. Je suis l'Éternel. Je suis Dieu. Je suis ton sauveur. Je suis ton secours. Tu n'as besoin que de moi et de moi seul. Je suis né, je suis là pour te prendre par la main. Il te prend par la main pour te conduire. Mais tu dois apprendre à faire confiance à Dieu et à Dieu seul. Père, dans le nom de Jésus, nous sommes ton peuple et nous sommes là. Nous nous humilions, nous te demandons pardon. Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous, Père, d'avoir mis notre confiance dans la chair, dans les hommes, dans les moyens humains et non pas en toi. Ce matin, nous nous repentons. Ce matin, ton peuple est là. Il y a des choses que tu annonces, que tu veux faire. Une grande gloire, une très grande gloire, une grande manifestation de ta présence. Tu veux la rendre manifeste dans ton église, dans la vie de ton peuple. Mais tu veux d'abord que nous nous repentions. Nous avons fait des réunions, nous venons à l'église sans nous attendre à rencontrer Dieu, sans nous attendre à voir, à vivre la présence de Dieu.
Père, pardonne-nous. Nous aurions dû venir avec une attente. Nous aurions dû venir dans le but, dans la soif de te rencontrer. Mais nous venons juste comme ça pour venir. Pardonne-nous, Père. À partir d'aujourd'hui, accorde-nous la grâce dans le nom de Jésus. Que cette grâce soit sur chacun de ceux qui entendent le son de ma voix. Chaque âme de la famille ICC. Qu'à partir d'aujourd'hui, notre attention, notre concentration, nos désirs, nos ambitions, notre obsession soit seulement Jésus-Christ. Soit seulement le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que tous nos besoins soient fixés sur toi. Que toutes nos envies soient portées sur toi. Père, accorde-nous cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Tu as dit que lorsque nous te prions, toi tu nous réponds toujours. Et tu nous réponds d'ailleurs par des prodiges. Aujourd'hui, un des prodiges que tu fais déverse dans nos cœurs. Des cœurs assoiffés de toi, des cœurs qui sont concentrés sur toi. Refocalise-nous sur toi et sur toi seul. Nous te remercions, nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ et tu nous as exaucés. Nous sommes orientés sur toi, nos pensées sont sur toi, nos yeux sont sur toi, notre espérance est en toi. Elle ne sera pas confondue. Nous te rendons grâce parce que tu nous rappelles à l'ordre, tu nous ramènes et tu nous accordes la grâce d'apprendre à t'accueillir, d'apprendre à accueillir ton esprit, accueillir le Saint-Esprit, à honorer le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, nous ne viendrons pas à l'église pour écouter le pasteur, mais pour rencontrer Dieu et pour entendre la parole de Dieu. Merci de nous ramener, de nous rappeler à l'ordre, Père, dans le nom de Jésus le Christ. Nous sommes reconnaissants, mettons-nous debout et acclamons le Dieu qui nous fait grâce. Le Dieu qui va nous visiter, le Dieu qui va intensifier sa présence. Le Dieu qui va multiplier, agrandir, aggraver encore la force de sa présence au milieu de nous. Béni soit le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. À toi tout honneur, appréciation, à toi la révérence, à toi l'admiration, la beauté, la splendeur, l'éclat, la magnificence. Jésus, sois glorifié. Père, sois remercié. Esprit de Dieu, sois acclamé ce matin. En ce jour que tu as créé, nous te bénissons, nous aimons ta présence. Nous célébrons ta présence, nous apprécions ta présence. Esprit de Jésus, reçois l'honneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer le Saint-Esprit? Pour acclamer l'Esprit de Jésus. Acclamons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oh, y a-t-il quelqu'un pour donner un amen de reconnaissance à Dieu? Nous sommes reconnaissants. Dis amen!